the series for Corvette and for Labra. Competition didn't start as they had hoped as the 50 car took a half spin, and lateral grip seemed to be a problem as the 71 Ferrari found out on Silverstone's fast curves. This is an unforgiving circuit, but fortunately with lots of runoff. As the time ticked down in the qualifying session, each driver putting in a lap and the average of two quick laps. And whichever side of the manufacturer line you're on, it seemed to be good fun. Mike Conway is number two. On a prototype, is that the... It's an open top car. Whammy, this is very, very interesting. That looked like... Oh, the wheel was already off that car before that went in. Well... That's very interesting. So something failed there. More importantly, we've got leaders in, and Seb Buemi may have timed this... Justement, on disait qu'il fallait prendre des risques et qu'on en... jaune sur cette course des 6 heures de Spa. Ah oui, là, c'est clair que ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer, malgré tout. C'est vrai qu'il faut prendre des risques. Maintenant, bah voilà, faut, il a vraiment essayé de l'éviter. Il était sur la bordure. Maintenant, bon, bah voilà. Toyota and Porsche. And Porsche GT cars with Marcus Seyfried making an unusual mistake. And also, Ollie Jarvis chasing down the second place car, went off in the Audi and finished his day and the 6 hours in the gravel trap. En fait, il rentre, il freine tard, il rentre vite et je pense que la piste, ah, il n'a pas touché. Donc, il n'y a rien de dramatique. Donc, les voitures vont ralentir, les temps autour vont se ressentir. Donc, pour revenir à Nissan, je pense que malheureusement... Je pense qu'il touche la moquette à l'accélération, ouais. Et puis là, ça, tu le payes cash. Hein. Cette moquette qui est une moquette un peu de dire attention, tu es un peu hors de piste. Partir assez vite. Ah, ça doit être au tertre rouge, il a dû mettre une roue dans, voilà, une roue dans la terre. Là, là, là. Et il a pas tapé? Non. Et il a pas tapé. On va dire qu'il y a un grand dégagement là. Première chicane ça. Première chicane. Ah oui, il rentre très vite là. Ah oui. Ah oui. Ah non, c'est, oh, c'est pas ça en plus. C'est dans, dans la chicane. Ah, c'est étonnant. Un peu en survitesse quand même à la corde du ah. Gauche. Eh mais... Pour moi, c'est la même chose, en survitesse en entrée et après il n'arrive pas à survivre. Là, il a pas réussi à... Ouais, il a quand même fait un tête à queue au ralenti. Un tête à... Alors... Ooh. He's changing down. Changing down. Something went wrong there, wasn't it? That was... He's changing down and braking hard, I think, because he knows something's gone wrong. I wonder if he had sort of throttle stick open, because it is a small speed reduction into that left-hander. Yeah. And the car sort of washed... It seemed... Any fraction of a... Oh, here we go, from dead ahead. Oh. It just gone straight on. I feel like something's either let go or when he tried to make a lift, the... Top front-running teams will do that. Just the highlights of this warm-up session we're watching now. Gives you an indication of the speed. I've seen watching that rotor Corvette going into the wall again. Un souci pour la Porsche numéro 92, la Porsche officielle hein, du team Malte. Il y a eu un accrochage avec une LMP2 apparemment. Touché, oh, là, oh, la voiture qui est en flamme. C'est possible qu'il y ait un pescar là du coup. Aïe aïe aïe, une voiture qui commence à s'enflammer naturellement. C'est la rébellion de... J'ai l'impression que c'est la rébellion de... Donc ça se passe. Ah, il a été percuté par l'arrière apparemment. Ah non. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ah si, si. Ah, mais avec la... Et c'est Patrick Pilet qui était au volant. Hein. C'était bien lui. Everyone's suddenly slowing and that caught him out. You know, it looks like the Labra Corvette was, you know, going very slow. That's exactly what you were talking about earlier on, Damien, with the Porsche Nick Tandy ran off the road there. Little by little, we are building up. So, oh, attention. Oh. Et attention, le feu qui se déclare dans les stands.
On va devoir intervenir. Merci beaucoup. Excusez-moi, effectivement, on revient sur cette image. Le terrible choc est là. L'Oreca de chez TDS, gros accident avec. C'est loin d'être fini. Hop, 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 hop. Oh, avec une grosse sortie de piste. C'est un peu fort. Il revient sur le replat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Maintenant. Et qu'il y avait une avance énorme. Ah oui, énorme, oui. Qu'il n'y avait aucun elle passé. Elle a deux tours d'avance sur la Porsche. Oh là là, là, qu'est-ce qu'il a fait sur la Ferrari de Bartolini. Il a dû avoir un. Caval, он был очень быстро, он догонял лидирующую машину, но вот здесь небольшая ошибка в выборе траектории, точнее не в выборе даже траектории, а немножечко слетел. Teammates saw that car drop. We're back down, and Earl Bamba. The pleasure of Dr. Wolfgang Ulrich. Big moment for Pierre Kaffer, just coming to lap the battle for second place in GT Am, and the Collado not very happy at the treatment meted out to his teammate. The thoroughbreds on the circuit. A rare mistake by Nick Tandy on his outlap for KCMG caused consternation. Then a touch between Alex Virks and Romain Dumas sent them both into synchronised spins. Ollie Webb went long in Furies 2. The two cars at the very head of the field, KCMG, G-Drive, getting together several times with first Roman Rusinov and then coming down into the braking area for the Dunlop curve. Rusinov made his move but misjudged it. Then the team car, Gustavo Jagerman, battling for a position but at that point a lap down, getting in where he didn't need to be. Also further up the field as the 7 Audi was trying to get its lap back, there was contact. Then Jagerman took out the 47 car. Je me demande si chez Porsche on n'a pas mis une voiture en configuration plus mouillée et une autre plus sèche, parce que là il y a une grosse différence de vitesse hein, entre les deux autos. Et attention, parce que là on est à deux de front, ça va pas passer pour tout le monde. Et voilà, ça passe pas pour tout le monde avec le tête à queue. Ouh, est-ce qu'il a récupéré? Non, ouh, il est resté sur la bordure là. La Porsche, ah oui, mais là elle peut rien faire. Et là elle est complètement, elle est arrêtée dans le virage. Has been replayed on the track. Danny Watts. With a problem in the track, first team at the head of the field to go onto the slicked immediates. The Warn, right at the end of the race, the Straka and the 12 Rebellion finding things just a little bit too difficult. Late at the start of the session when the lights didn't go on, but that only heightened the excitement. And Pat Long chose his time as the car dropped four laps off the lead. James Collado, first and second. Kaz Nakajima having to keep the Porsche from going through and disappearing into the distance. Neil Jani has continued to hold the lead after a nasty incident for the